des années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le QSC sur le statu quo. On se garant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candé. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur? En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. Une chance sur 14 millions, au stationnement du casino. Un gosse tire une balle dans la tête, ayant tout flouvé son magot. Elle a plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le frère Boucher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as même plus de chances de gagner à l'autrie. T'es pendant des années un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gosses sont tous syndiqués. Ça jase 3-4 autour d'une belle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marins toxédo. Quand le boss c'est une grosse corporation, comme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans dire merci. Un robineux qui est dans la rue au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, mais non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi l'important c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme c'est ton avis, tu dois être PDG d'une compagnie. Quand on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pop catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérendrye. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Faire les riches et les vendus dans cette contrée, peuple des ignores. Pourquoi on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de genre qui ont encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en verre, les gens rêvent tous les bouffons qui nous gouvernent. Si c'est ça que t'appelles une nation, probable que tu sois assez con, des murs pour te présenter aux élections. Si c'est ça le Québec moderne.